Donc le chiffre est très simple. 50 kilos tous les soirs qui sont jetés dans chaque supermarché, cela équivaut à 500 euros et avec ça on peut nourrir 100 personnes. Sauf que la distribution immédiate en France est un vide juridique. Donc j'en ai fait une pétition. On a commencé notre distribution le 19 décembre. Le 19 janvier, j'en fais une pétition. Je demande à Mathieu Kassovitz qui m'apporte son soutien. Une centaine de stars sont venues comme Johnny Hallyday, Omar Sy, Laetitia Hallyday et d'autres. Nico Saliegas et beaucoup d'autres personnalités. Et on a mis une force de frappe et on a fait un putsch médiatique. L'objectif pour moi, c'est de marquer profondément ce pays sur un sujet majeur, la faim et la soif. En France, il n'est plus concevable qu'on puisse avoir faim et soif lorsqu'on a autant de nourriture consommable jetée dans une poubelle. Mais dans l'intervalle, on a également fait une action dans l'Union européenne, soutenue par la Croix-Rouge française et Action contre la faim. La pétition européenne a recueilli aujourd'hui plus de 679 000 signatures sur change.org que les Français peuvent, et les adhérents même de la FNSEA peuvent signer, et j'invite d'ailleurs. Et nous avons bon espoir pour que la loi française et la loi européenne passent très rapidement dans les prochaines lois. En tout cas, on va tout faire pour. Il est impensable qu'aujourd'hui, avec 10 à 15 millions de Français démunis et 80 à 100 millions d'Européens démunis, on en soit encore à gâcher 50 kg de nourriture consommable tous les soirs dans les poubelles. L'objectif pour moi, c'est encore une fois d'alerter les pouvoirs publics, de prendre l'opinion publique à témoin et de dire voilà, que nul n'en doute, nous continuerons d'éveiller les consciences. Il faut que chacun puisse respecter le pacte républicain. Nous devons aujourd'hui avoir en tête que la fraternité a du sens dans notre pays.